Le voleur de rêve. Voici comment Kitty, Mimi et tous leurs amis ont rencontré le voleur de rêve. Oh, quelle belle journée! Il fait un temps idéal pour peindre. Je sens que je vais réaliser un chef-d'œuvre aujourd'hui. Tu veux devenir artiste et peintre pour faire plein de tableaux. Oui, bah c'était ça mon rêve. J'étais en train de peindre des cygnes quand soudain le vent s'est mis à souffler très fort et mon rêve s'est retrouvé aspiré dans un immense tunnel. Oh là là, ça fait peur. En plus, c'est mon rêve préféré. Ça doit être un cauchemar. Il paraît que tout le monde en fait. Le lendemain matin, Mimi ne s'était toujours pas remise de la disparition de son rêve préféré. Mimi, allez, courage, je suis sûre que tu finiras par le retrouver, ton rêve. J'espère bien. Qu'est-ce que je vais faire sinon? Ce n'est peut-être pas si grave que ça. Si ça se trouve, ton rêve s'est volatilisé parce qu'il devait laisser sa place à un autre rêve encore meilleur. Oui, ce serait bien. Hé, les amis, écoutez-moi, vous savez quoi? Je viens d'apprendre que depuis ce matin, une rumeur se répand dans toute la ville. C'est quoi cette rumeur? Qui te l'a dit? Dis-nous ce que c'est au lieu de nous faire attendre. C'est que, je ne sais pas si je peux vous le dire, je ne veux pas passer pour une commère. Arrête de faire ta mijaurée. Allez, Fifi, tu en as trop dit maintenant. Tu es obligée de nous le dire. Bon, d'accord, puisque vous insistez. Il paraît... Quoi donc? Qu'un individu profite du sommeil des gens pour voler leurs rêves. Impossible. On ne peut pas voler les rêves. Bien sûr que si. Et comment on fait alors? Comment veux-tu que je le sache? Je ne l'ai jamais fait. Mais il paraît que s'ils les volent, c'est pour les manger. Quoi? J'ai compris. Tu nous fais marcher, c'est une blague, c'est ça? Je vous assure que je n'invente rien, c'est la pure vérité, vous pouvez me croire. Ça a l'air tellement bizarre. C'est vrai, pour voler les rêves des gens, il faudrait d'abord pouvoir entrer dans leur tête. Ça suffit! C'est vous qui vouliez savoir, alors maintenant ne venez pas me traiter de menteuse! Puisque c'est comme ça, je ne vous parle plus! Non, continue, Fifi! Moi, je te crois! Hein? C'est qui le voleur? Et comment il fait pour entrer dans nos têtes? Oh, merci, Mimi! Toi, moi, tu es une amie! Ça me fait tellement plaisir que tu me crois quand les autres me traitent de menteuse! Je ne suis pas sûre que ce soit vrai, mais on dit que le voleur entre dans les rêves avant d'ouvrir sa grande bouche pour tout avaler. Il avale les rêves? C'est pas possible! Si! Et attends, ce n'est pas tout! Il paraît qu'il ne s'intéresse qu'aux rêves des enfants, ceux qui racontent ce qu'on veut faire quand on sera grand. Je suis sûre que c'est pas vrai. Moi non plus, je ne crois pas à cette histoire. Dites, on ne peut pas arrêter d'en parler, moi ça me fait peur. Ce jour-là, en rentrant de l'école, Kitty et Mimi ne pensaient qu'à une chose, le voleur de rêves. Attends une minute. Tu crois vraiment que l'histoire que nous a racontée Fifi est vraie? Je n'ai pas arrêté d'y penser de la journée, je ne vois pas pourquoi Fifi nous aurait menti. Mais comment un voleur pourrait-il entrer dans les rêves des gens pour les manger? Normalement, tes rêves n'existent que dans ta tête et personne ne peut les voir à part toi. Je sais, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si le voleur de rêve existe vraiment, il faut à tout prix qu'on trouve un moyen de l'arrêter. D'accord, mais tu comptes faire comment? Pour l'instant, je ne sais pas. Il faut que j'y réfléchisse. Ah oui? Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Viens, je vais avoir besoin de toi. Attends, Kitty, tu ne m'as même pas dit ton plan. Bon, écoute, c'est très simple. Fifi nous a bien dit que le voleur devait entrer dans les rêves pour pouvoir les manger, tu es d'accord? Oui, c'est ce qu'elle a dit, et alors? Eh bien, on va lui tendre un piège en rêvant. Et dès qu'il arrivera, on pourra l'attraper. Oui, mais comment? Tu ne devines pas? Va te cacher dans les buissons et ouvre l'œil. Hein?
Et quand tu apercevras le voleur de rêve, tu n'auras plus qu'à lui sauter dessus. Hein? Bien, j'y vais. C'est beau, Mimi, tu es cachée? Oui, ça y est. Je veux devenir une grande pianiste. Je veux devenir une grande pianiste. Je veux devenir une grande pianiste comme maman quand elle était jeune. Est-ce que tu vois quelqu'un approcher, Mimi? Pas encore, il n'y a personne. Pourquoi ça ne marche pas? Je n'ai peut-être pas fait assez bien semblant de dormir. Oui, c'est possible. Gagné. Oh! Est-ce que tu as vu à quoi il ressemblait? Non, je n'ai pas eu le temps de le voir. Bon, essayons encore une fois. Je suis une grande pianiste, je suis une grande pianiste, je suis une grande pianiste. Je suis une grande pianiste de concert, la meilleure. Je n'arriverai jamais à m'endormir ici. Il y a beaucoup trop de bruit. Ce soir-là, Kitty et Mimi demandèrent conseil à leur père. Tiens donc, un voleur de rêves? Tu en as entendu parler? Plus ou moins. Disons que je sais qu'il existe une créature qui enlève les cauchemars. Ah bon? Et est-ce que tu l'as déjà vue? Non, jamais, mais je crois que j'ai un livre qui parle d'elle. Voyons voir... J'y suis, la légende de Tapi, le mangeur de cauchemars. Le mangeur de cauchemars? Oui, regardez, il y a une photo. Oh, comme il est mignon! C'est juste écrit qu'il mange les cauchemars. Ils ne disent nulle part que Tapi mange aussi les beaux rêves. Comment ça se fait que je me sois fait manger?